je suis Mounia Ilik, je suis experte internationale en économie verte. Et je travaille sur les problématiques liées au climat, développement durable et à l'économie verte en général. Alors en fait, ce matin, on a parlé d'une thématique qui est fort importante. En fait, c'était justement, on a parlé de du recyclage des déchets industriels. Parce qu'en fait, quand on parle des déchets industriels, c'est des déchets qui peuvent être non dangereux, mais il y a une grande partie qui peut être vraiment un déchet dangereux et qui nécessite vraiment un traitement spécifique. Donc c'était justement autour de pas mal de filières. Donc c'est vrai que pour faute de temps, donc on ne pouvait pas présenter toutes les filières, mais on a essayé de faire un petit peu le topo en fait des déchets non dangereux, comme donc on a parlé justement des déchets plastiques, qu'on a parlé de la loi Zéro Mica, de l'initiative Zéro Mica, que le Maroc d'ailleurs se félicite au niveau international par rapport à cette initiative. On a parlé également des déchets de la filière batterie, de la filière pile. On a parlé aussi de la une thématique aussi qui est intéressante et très importante aussi, qui est la présence de la femme en fait dans le secteur des déchets. Donc c'est vrai, c'est un secteur qui est dominé par les hommes et on ne voit pas beaucoup de femmes. Donc on invite quand même pas mal de femmes à investir aussi, à intégrer le secteur. La sensibilisation du citoyen, c'est quelque chose de très très important parce qu'on ne peut pas justement résoudre la problématique de la gestion des déchets, c'est on ne passe pas par la sensibilisation du citoyen. Donc on a dans notre culture, en fait, que ce soit culture marocaine, que ce soit culture musulmane, la notion de nadafa, la notion de la propreté, de l'hygiène. Donc ça serait tout simplement très sympa justement de reprendre un petit peu ces notions et de pouvoir justement les remettre à jour et qu'on puisse travailler en fait ensemble sur justement un environnement sain et propre.